C'est avec un mal de crâne d'un autre monde que je vais vous raconter l'histoire de la mouche Litsan. Il était une fois une mouche qui s'appelait Litsan. La mouche Litsan est née toute petite, petite, petite. Et bizarrement, la mouche Litsan ne grandit pas beaucoup au fur et à mesure des journées qui passaient et des semaines qui passaient. Je dis ça parce que je ne sais pas combien de temps ça vit une mouche. Bref. Je continue mon histoire. La mouche Litsan, ne grandissant pas, elle se dit « Mais c'est quand même bizarre, tous mes compères sont grands !» La mouche Litsan trouvait également très bizarre qu'elle adorait les fruits. La mouche Litsan était tellement friande de fruits qu'elle ne comprenait même pas comment ses pères adoraient tant la viande. La viande, elle ne la supportait pas, non. Parce que la mouche Litsan était en fait un moucheron. Je sais, c'est une histoire débile, mais bon, vous aurez appris un mot en hongrois. Moucheron, ça se dit mouche Litsan. Allez, à bientôt pour un nouveau cours de hongrois. Ciao, bye bye.